Salut tout le monde, c'est Sam. Yo, sup, G, sérieux, ça fait comme fucking longtemps qu'on s'est pas vu, pis j'ai comme fucking changé depuis ce temps-là, mais pas tant que ça. Mais j'ai quand même, genre, j'ai évolué, tu sais. Je veux dire, avant, moi, je pensais que c'était genre chill d'être une pute à Rockstar, pis tout. Mais sérieux, what the fuck, man, what the fuck you talking about? Sérieusement, j'ai comme appris que c'était pas qu'au vrai, sérieux. Pis genre, là, y'a pas long, je commençais à des vieux doutes blacks. C'est un fucking show, genre, sérieusement, fucking hot, genre, oh my god, Winnie, oh my god, sérieux. Pis genre, là, il m'a appris c'était quoi le swag. Pis genre, j'étais le shit, man. Le swag, c'est comme si une pute. C'est une pute et le swag représente 2010, esti. Fait que c'est ça, 2010, ça fait 2 ans, ça. Whatever. J'étais un peu en retard. Fait que c'est ça, le swag, ça a commencé, genre un bout quand même, mais j'étais un peu en retard parce que j'étais dans le coma. Pis tu sais, whatever. Sérieux, on se colle de mon past, future represent. Le swag, en gros, c'est genre avoir de l'attitude. Avoir du fucking style, avoir des boules, avoir des linges qui a fucking du style, genre être fucking chaud. Comment je peux, genre, pas adhérer au swag? Sérieusement, c'est une pute, c'est le swag. Tu comprends pas, man? Yo, G, c'est tabarnak de colis. Pis check, là, ici, y a un N en brillant. Comme New York, comme North Carolina. Est-ce que represent? J'ai jamais allé dans ces deux places-là. Mon sang colis. Represent pareil, tabarnak. Aujourd'hui, c'est une pute, elle est là pour t'apprendre à savoir comment avoir du swag, esti. Fait que moi, je vais t'apprendre ça en 2-3 étapes faciles. First, je m'en connais ce que t'es fucking québécois, t'es fucking blanc. Faut que t'aies l'air d'un latino, d'un arabe ou d'un noir. Parce que sinon, ton swag n'est pas présent, même. Ton swag n'est pas cool. Il est genre chez le voisin, ton esti de swag. Être blanc, c'est pas cool. Faut genre que tu fasses semblant que tu viens d'un autre pays. Puis je m'en connais ce que tu parles rien que français. Moi non plus, je parle pas super bien en anglais. Rien que tu collises des mots en anglais dans toutes tes phrases. Puis que mettons sur tes photos, tu hashtag des affaires genre swag, YOLO, oh my god, fuck my life. Pis faut pas que tu parles en français, genre même mettons que t'es dans un cours de français, tu parles en anglais. Donc tu parles en fucking anglais parce que yo, c'est quoi tes racistes, man? Tu veux, oh my god. Moi, mon raciste, ça me fait chier. Moi, moi je suis jamaïcaine, esti. Sérieusement, mais si genre j'ai décidé que je venais de là, pis que je connais un doute que son frère vient de Jamaïque. Pis que genre, pis j'ai déjà écouté du Bob Marley, fait que ça veut dire que moi je suis jamaïcaine. Fait que si tu me laisses pas parler ma fucking langue, t'es fucking raciste, sérieusement. Je m'en connais ce que mon nom c'est Sinouellette, là. Tout le monde s'en fout, là. Tout le monde se dit, yo, t'es fucking québécois, tes deux parents sont québécois. Ok, t'es qui pour juger, genre, dans ma tête de quel pays que je viens? Sérieux, le monde sont genre, ah oh, ouais, moi j'ai pas choisi d'être lesbienne. Ben moi j'ai pas choisi d'être québécoise, esti. J'ai peut-être pas le goût d'être une fucking québécoise. C'est plate, il fait frette, esti. J'ai-tu le droit de voir venir d'ailleurs? Merci, ok? Swag on deck. Pis genre, je sais que moi je dis souvent swag on deck. Non, eux ils disent swag on deck, moi je dis swag on deck. Là le monde il rit tout le temps ma gueule. Je suis tout le temps comme, yo, pourquoi tu ris ma gueule, esti? Fucking G, tabarnak, what the fuck? Pis là, genre, après ça, je leur ai expliqué. C'est parce que moi là, il y a tellement de swag sur mon deck. Qu'il faut que, genre, ça déborde sur le desk. Hell, tu sais, non, est-ce que tu sais what I'm saying? Ok, l'autre affaire, faut comme que tu portes des choses que tu portais pas nécessairement avant, qu'avant tu disais genre, what the fuck? Mais tu sais, nous autres, on veut, on aime ça, l'attention, on aime ça avoir l'attention, fait qu'on s'en croise que toi tu dises what the fuck, sérieusement, hein? Parce que, genre, faut que tu portes, genre, des queues de renom, des queues de lapin, des enfants non même, parce que c'est fucking chill. Je veux dire, what the fuck, mais pourquoi tu chiales? Pourquoi tu chiales sur moi? Pourquoi tu chiales sur ça? C'est fucking chill, genre, yo, ok, l'estime, man, le soir, man, on s'en fout qu'on tue des animaux, what the fuck? J'en ai que ça vient même pas, genre, d'un vrai animal, en tout cas, whatever. Ok, autre affaire, t'es mieux d'avoir des cheveux fuckés, genre, là, moi, je me souhaite un side cut, je sais pas si tu vois, c'est le swag, dans mon absence de cheveux, il y a genre 97% de swag, tu comprends même pas, genre, ok, sinon, faut que tu sois really loud, faut genre que tout le monde t'entende, mettons que tu rentres dans une pièce, pla pla, it's the represent, oh my god, swag, c'est ça que tu fais quand tu rentres dans une pièce, le reste du monde dit allô, eux tout, tu fais, pla pla, represent, t'as pas de swag, ici, pas de niaiser, tu fais ça, pis genre, même si t'appelles Alexandre Tremblay, faut que tu donnes un accent d'un pays que t'as choisi. Au début, j'avais de la misère avec ça, je me disais, yo, tu sais, c'est correct, moi, sérieux, je suis pas encore, genre, 0% raciste, esti, moins 40% raciste, je suis moins raciste que le nombre de degrés de Celsius qu'il fait en hiver au Québec, tabarnak. Sauf que je comprenais pas pourquoi le monde faisait ça, tu sais, j'étais là comme, tu peux-tu vexer l'accent, genre, au monde qui vient de ce pays-là, parce que sinon, on est tous fourrés, genre, après ça, je me suis rendu compte que c'est pour le swag, fait que c'est correct que c'est pour le swag, genre, tu comprends, whatever. Fait que c'est ça.
en gros, je t'explique comment voir le swag. Autre chose, les deux, ok, on a comme réinventé la façon de porter les vêtements avec le swag. Fait que genre ta calotte, man, tu portes pas ça de même, là. Donc fucking way. Faut comme qu'elle soit genre sur ta tête de même. Là, t'as le swag. Si elle tombe à terre, c'est encore mieux. Faut comme qu'elle shake. Fuck yeah. Pis check ça. Faut que tes pantalons, t'es portes aux jeans. Ben, tu veux avoir une paire de boxers en dessous. Moi, j'ai pris les boxers, un d'autres que j'ai couché avec. T'es mieux faire ça, parce que sinon, comme, non, t'es dans mal. Fait que c'est ça. Faut comme que tu sois à tes genoux pour que t'as l'air d'avoir changé les shorts quand tu marches, tu comprends? Ça, c'est le swag. Whatever. J'espère que comme vous allez toutes adhérer au swag, parce que c'est comme ça le style à ce temps. C'est comme ça que tu montres que t'es quelqu'un, tu comprends? Si t'as pas le swag, t'es personne. T'es genre fuck all personne. Pis genre, tu sais-tu quoi? Si tu viens faire du hate sur moi pis sur tout le monde qui ont du swag, mais t'as fuck all de swag. Parce que sais-tu quoi, G? Mais juste le monde qui ont du swag, ils ont le swag. Pis toi, si tu ris du monde qui ont du swag, mais ça veut dire que t'en as pas. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Know what I'm saying? Pis genre, si t'as pas le swag, genre, t'es comme encore un dude qui s'habille avec des chandelles de Sherbrooke Planet qui t'écrit Kiss me, I'm a cute monster. Décolliste, tabarnak, sérieusement. Fait que genre, ça prend le swag partout dans la vie. Si t'as pas le swag, t'es personne. Pis genre, là-dessus, je vous aime. Pis, swag, tu motherfucker! Je suis vraiment cute. Bye, là.